Yo les mecs, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les gars pour la suite de ce Tour de France avec les CCC de Greg Van Avermaet. Aujourd'hui les gars, étape 7 et 8, étape de plaine entre Millau et Lavaur et étape de montagne entre Cazères-sur-Garonne et Loudenviel. Donc c'est parti, première étape du coup de cette vidéo les gars. On a le maillot jaune avec Greg Van Avermaet. On a réussi à limiter la casse sur l'étape précédente. On a un peu plus d'une minute d'avance sur Primoz Roglic qui est deuxième. Voilà, ça va être chaud. On va voir ce qu'on peut faire dans Loudenville. Il ne devrait pas avoir d'écart normalement entre favoris, mais on verra bien. Van Aert, Groenewegen, Pascal Ackermann sont les favoris. On va essayer de faire ce qu'on peut, là, avec Matteo Trentin. Pourquoi pas ramener une victoire avec Trentin sur cette étape. Je rappelle qu'on a le maillot vert sur les épaules. Allez, on va. Il y a combien de points à prendre aujourd'hui? Je vais juste regarder ça. Ouais, pas beaucoup de points. Allez, c'est quoi? Mettre un petit Simon Gauchescue dans l'échappée. On va pas jouer les points de la montagne, hein, juste histoire de mettre un petit Gauchescue Bonjour à toutes et dans à tous. l'échappée du Au tenu jour. du profil de l'étape du jour. On a toujours le maillot à poids avec une Nour Zakarine, on veut le ramener à Paris. On a quand même trois maillots, les gars, donc on est bien, hein, honnêtement. Donc allez, on va mettre notre ami Gauchescue devant. Et après, ça va être de la simu, hein. On est plus que 165 hein, dans ce peloton. On a déjà perdu 11 hommes. Alors qu'on est qu'au départ de la 6ème étape, hein, donc c'est. Pour vous dire à quel point ce Tour de France est très montagneux. Enfin, en tout cas, cette première semaine est très montagneuse. Hein. Les gars, c'est une journée qui ne devrait pas sortir des schémas de course habituels. Allez. Ça fait matinale, gestion de l'écart, arrivée au sprint. Allez, c'est parti. Ouais, Gauchescue, on est à 18 minutes, donc tranquille. Allez, bonne journée. Hop, on met Gauchescue devant, les gars, et on va passer sur Matteo Trentin tout de suite. Voilà, Matteo Trentin. On va demander Fausto Masnada protéger Greg Van Avermaet et Gradé qui protège Trentin. Voilà, parfait. C'est parti. Le sprint d'inter est pas loin de l'arrivée, les gars. Hein, donc, il va falloir faire gaffe à pas se faire piéger. Bon, Nous devant. arrivons déjà au premier Grand Prix de la montagne de cette Il étape. est tout seul devant, d'accord, Gauchescue. Et un point marqué au sommet. Bon, il va juste. Le but, c'est juste de pas se faire lâcher sur partie A4. Hein. C'est parti à 4, on a Luis Sanchez pour la Astana, Valgren pour la NTT, Gauchescue pour la SCCC et Bob Jungels pour la De Koenig Quickstep. Donc voilà. Le plus dangereux, il a 7 points, c'est Michael Valgren, donc tranquille hein, pour Ilnur Zakarin. Ça va pas poser de problème aujourd'hui. Bon, le peloton laisse pas forcément partir. Hein. On a des mecs qui essayent de prendre des contres, comme Jonathan Hiver. Et le peloton roule. UAE. Là, ouais, Gauchescue par contre là il est en train de pencher, hein. En plus mauvaise forme donc ouais, Gauchescue bleu, hein, Gauchescue bleu. Pas le choix, Gauchescue bleu là parce que sinon ça passait pas. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. En tout cas les gars, oui, je voulais vous parler, je veux tenter de faire un mode carrière, parce que voilà, on peut faire des my tours et tout, on peut évidemment transférer, enfin pas transférer, mais on peut créer des joueurs et tout, enfin mettre des noms de joueurs, bon bref, je compte les gars faire une carrière manager sur le Tour de France, donc j'ai des idées de carrière, n'hésitez pas à dire si ça vous intéresse en commentaire, et pourquoi pas faire une carrière avec la Total Direct Energy, voilà, ils sont pas en World Tour, c'est une équipe Conti Pro, donc pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Destination atteinte. Ah oui, merde, merde, le. Les ravitaux, j'ai oublié. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. Les ravitaux, pas oublier de les prendre. De 12. UAE qui roule toujours à l'avant. Bon, allez, les gars, on va directement se mettre sur le sprint intermédiaire, se diriger vers le sprint intermédiaire. Ouais, c'est rare, les gars, enfin, que le sprint intermédiaire soit aussi proche de l'arrivée. À part, bon, les étapes comme l'an dernier, comme Bridge Londres ou des trucs dans le genre, en mode My Tour, où évidemment il y avait deux sprints inter, il y avait un sprint à 20 bandes de l'arrivée, je crois. Et sur le tour, en tout cas, c'est très rare. Hein. Qu'il y ait des sprints comme ça, pas loin de l'arrivée, on va voir à combien il est, hein, ce sprint de l'arrivée. En tout cas, toujours une 20. Dernier pointage pour l'échapper. Une minute. On dirait que
l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Voilà, allez les gars, hein, le sprint à 38 bornes de l'arrivée. Le sprint intermédiaire. Par contre là, Trentin est bien mal placé, il va falloir remonter. Voilà. Il est bien remonté avec Matteo Trentin. Je rappelle qu'on a combien de points avec Matteo? On a 119 points. Le deuxième, je sais plus du tout qui c'est, combien de points les gars. Ça fait un petit moment que j'ai... Ça fait une petite semaine les gars que j'ai joué à ce tour avec Greg Van Avermaet et les 6CC. Comme on se fait plus trop, on va reprendre Jonathan Hiver devant nous. Du coup, il y aura 11 points à distribuer. Allez, c'est parti. Allez, on lance avec Matteo Trentin sur la droite de la route. On va essayer de bien prendre le virage. Viviani, Groenewegen, Caleb Ewan. On va passer, je crois, quatrième. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ouais, quatrième. On prend 8 points. Ok. On prend 8 points. Même Greg a fait le sprint. Donc, par contre, Greg, tu fais quoi? Wesh. Ça accroche sans limite. Toi, pourquoi tu roules? Je sais pas. Bien reçu. Pourquoi vous roulez, les gars? Bon, allez, les gars, on se dirige du coup vers l'arrivée. Plus que moins d'une minute pour les 4 hommes de tête. Encore 20... Bon, attaque dans le groupe de tête, ouais, mais c'est sûr. On va lui dire. On va lui dire de suivre les attaques. Hein. On peut pas lui dire. Suivre les attaques. Ça ne sent pas très bon pour l'échapper. Avec cet écart, difficile de croire qu'elle pourra lutter jusqu'à l'arrivée. Attaque dans le groupe de tête. Allez hop, c'est reparti. Ça sent quand même la fin hein, pour Geschke là et surtout pour l'échapper. Hein. Tout le monde n'a pas de s'attaquer. Allez, c'est parti les gars, 7 secondes, on va reprendre Geschke et Bobby Ungles qui sont les survivants de cette échappée. Et nous les gars, on va essayer de faire ce qu'on peut. Avec Matteo Trentin, déjà faut remonter ce qu'on a. On a clairement un barrage hein, devant nous. Vous savez quoi les gars, je vais dire à mes équipiers d'imposer un tempo élevé. On prend juste la fin du bleu. Hop, on va leur dire. Prépare le sprint pour Trentin, on va leur dire. Ouais bah là, si tu démarres trop tard, t'auras pas le temps de la remonter déjà. La question est de remonter déjà, parce que c'est un peu compliqué. Il y a clairement un barrage devant moi. Allez les gars, je leur dis surtout de remonter à mes équipiers pour éviter les chutes, hein, parce qu'on sait jamais. Dans des fins d'étape, des chutes comme ça, ça peut arriver. Allez, on est bien remonté avec Matteo Trentin, on est très bien remonté. Allez, mes équipiers remontent tous, parfait. On va prendre le rouge. Allez, Philou Gilbert qui remonte le train pour Caleb Ewan. Ouais, mes équipiers, je les vois pas, hein. Je sais pas ce qu'ils font, mais on a beaucoup distancé quand même. Allez, nous on est très bien placé, on a Michael Scher qui remonte pour nous sur la gauche de la route. Pour le peloton. Le sprint est inévitable. 3 km. Allez, faut bien prendre le virage. Pas se faire bloquer. Allez les gars, on remonte un peu. Allez, Geschke qui est là pour nous. Allez, 1 km 400. Oui, il y a une chute, il y a une chute à l'arrière les gars, j'ai bien l'impression. Allez, allez, on va lancer avec Matteo Trentin là, j'ai bien l'impression ouais, que là on va se faire fumer. Quoique, pourquoi pas remonter, on est pas mal là, on est en train de remonter. Je crois qu'on fait 5ème et je crois que c'est une victoire de Sonny Colbrelli. Ouais, je crois qu'on fait 5ème ou 6ème avec Matteo Trentin. Ok, il y a une chute, il y a eu 12 coureurs pris dans la chute derrière, à voir s'il n'y a pas des favoris. Mais ouais, je crois que c'est une 5ème place ou 6ème place. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ème place pour Matteo Trentin. Colbrelli s'impose devant Elia Viviani. Enfin je pense que c'est Colbrelli. Bon, on fait 6ème avec Trentin. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien. On peut dire que le... Alors c'est un coup fini, c'est Viviani qui s'impose. Viviani qui s'impose les gars. Bah pourquoi, pourquoi c'est Viviani qui s'impose? J'ai vu les barres de McLaren lever les bras les gars. Oh là, ça c'est la clim ça. Non, j'ai vu les barres de McLaren lever les bras là. Hein. Oh là, bravo les gars. Vous avez fait oh là là, Colbrelli. Convenez pas, je suis très satisfait. J'ai vu Colbrelli et puis il est où le deuxième McLaren?
Je sais pas, mais en tout cas, les gars, j'ai vu Cole Aurélie et son pote lever les bras, et c'est Elia Viviani qui s'impose en pic de forme. Bon, bah, la clim, clairement, pour les McLaren. Viviani, Cole Aurélie, Ackermann, Gaviria, Darrell Impey, qui fait un très beau sprint, Matteo Trentin. Du coup, voilà, au niveau du Jura, ça ne bouge pas. Le maillot vert, ouais. Mais Viviani revient, plus que 6 points d'avance pour nous. Le maillot blanc, ça ne bouge pas. Timidos, meilleure équipe. Et voilà. C'est parti, les gars, du coup. La 8ème étape. Entre Cazères-sur-Garonne, Loudenvielle. Falloir être là, là, avec Greg. On va remettre quelqu'un devant au cas où ça va au bout. Hein. Quoique, ouais, c'est un profil d'étape où l'échappée peut aller au bout. Après, je sais pas si ça ira au bout, mais pourquoi pas. Ouais, falloir y faire gaffe. Hein, dans le col leur catégorie et le dernier col, là, Alaph Pino. Thomas, son favori. Faire faire gaffe hein, avec Greg, parce que là clairement c'est un parcours casse-pattes, hein, surtout leur catégorie qui va faire très très mal, qui va écrémer le peloton. Allez. Dans Zakarine en pic de forme, il y a beaucoup de points à prendre, mais on va le mettre. Hein. Il y a beaucoup de points à prendre les gars, on va mettre le dans Zakarine. Hein. Pic de forme, il y a 25... Il y a 45 points à prendre les gars sans compter la côte finale, bah non, 45 points à prendre sans compter la côte finale, j'allais dire mais non, c'est un driver sur le plat. 45 points à prendre aujourd'hui pour le classement du maillot à poids, son meilleur grimpeur, on a 24 points. Donc allez, c'est parti, il nous, on est à 13 minutes, hein. Ça devrait laisser partir tranquille, voilà. Oh Pierrot, Pierrot Lan qui prend l'échappée les gars. Ça c'est beau, Pierrot. Attaque de Pierre-Rolland. Par contre, ouais, on est à 9. Moi, je vais pas collaborer, hein, je vous le dis. Merde, le sprint est au début avec Trentin. Bon, c'est mort, c'est mort, c'est mort, à moins que... Ouais, il y a 57 secondes. Bon, non, tant pis. Tant pis, les gars, on va rester dans le peloton. On va juste attendre le sprint inter. Gradec protège Trentin et Fausto Masnada protège Greg. Voilà, bon, ils sont partis devant, ils sont 10 hein, à l'avant de la course, il y a un groupe avec Higuita derrière, 15. Ouais bon le peloton ouais, le peloton roule. Ah quoique, ouais, ils sont partis à 15, ça ne roule pas, ok. Ils sont partis à 15 les gars devant. Il y a quand même une belle échappée hein. Avec du Pozzo et tout. Allez Randro Valverde dans l'échappée. Ah ouais non mais si Valverde les gars commence à jouer les échappées, voilà quoi. Bon bah les gars, ah oui bah oui y a pas de points bah tant pis. Merde c'était une bonne OP à faire avec Trentin les gars, il n'y a aucun point bien évidemment. Bon bah tant pis, aucun point distribué. Bah oui, bon bah tant pis hein. Bon, quoique les gars d'un côté c'est bien parce que du coup personne ne pourra, personne ne marque de points du coup dans le peloton. Le peloton les gars laisse faire, hein. On va peut-être aller au bout hein. L'échappée va peut-être aller au bout parce que le peloton ne roule pas du tout. Col de Mente. Première ascension de la journée. Le col de Mente est classé en première catégorie. Ah ouais d'accord, ah ouais d'accord. Super. Bon ça va, il y a la zone de ravito derrière, donc tranquille, on va pouvoir faire un peu d'effort avec Zakarine pour remonter. Parce que là clairement ouais vous laissez partir Higuita, Latour, Roland et Pozzo, vous, hein. Pas de soucis. Voilà, Tim Wellens qui va essayer de rentrer avec nous. Allez, ça va être dur de rentrer, hein. Là, honnêtement. Surtout pour aller jouer le grimpeur, là, ça va être très dur. Hein. Allez, on va s'arrêter. On va prendre le rouge. Allez, on est rentré. On est 6. Personne n'a de points hein, dans cette échappée. Par contre, les gars, j'ai juste plus de force, là, avec Ilnur Zakarine. Voilà, vraiment, j'ai plus de force. Hein. Ah, les gars, ça va être très dur. Enfin, j'ai plus de force, j'ai plus de rouge, quoi. Donc, pour jouer le grimpeur, ça va être très dur. Ça va être même impossible, hein, clairement. Higuita, son maillot de champion de Colombie. Par contre, derrière, ouais, ça roule pas du tout. Hein. Ça va être très dur, là. Hein. Avec une dans un carré, ok, Tim Wellens qui craque. Ok, oula. Oula, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, là, quand même, il se passe des trucs. Heureusement qu'il y a la zone de ravito, hein, derrière, parce que là... C'est quand même chaud, même Greg hein, évidemment va le prendre son bleu. Mais voilà que pour le moment Greg il est très bien. Hein. Bon, Tim Wellens et Stenson n'est plus que 5 hein, dans cette première ascension de la journée.
reprendre du rouge, faut reprendre du rouge un maximum. Même si là c'est compliqué, hein. C'est compliqué de reprendre du rouge. Ouais, c'est compliqué de reprendre du rouge. Allez, on a pris le max de rouge possible, les gars. Allez, on va essayer de d'aller chercher Pierre Latour. Ok, Pierre Latour, on n'a pas l'air de disputer les points. Je sais pas ce qui lui arrive. En tout cas, nous, on va tout faire, les gars, pour essayer de passer en tête. Il a démarré un peu tard, Pierre Latour. Et du coup, les gars, on va passer en tête. Avec Ilnur Zakarin, parfait. Il a démarré beaucoup trop tard, Pierre Latour. On prend 10 points. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Ah, parfait, les gars, on prend 10 points. Ils sont plus 47 dans le peloton, c'est une galère. Hein. Par contre, là... C'est une galère. Le ravitaillement est imminent pour les hommes de tête. Et derrière moi, on n'est plus que 14. On a perdu un mec. Je sais pas trop qui c'est, je vous avoue. Ouais. Bon. Plus que 14. Moi, je vais pas collaborer, bien évidemment. Si on était dans un jeu vidéo, on accélérait le temps jusqu'à... On va lui dire, les gars, juste de suivre les attaques. Et le lourd. Parce que maintenant, les gars, c'est cool, on peut rayer l'oreillette alors qu'on est sur notre coureur. La partie difficile du port de Balès. Ah, le port de Balès, les gars, waouh, c'est très long. Hein. Et c'est raide, hein. Surtout les derniers mètres, les derniers kilomètres, pardon. Oh, oh lolo. Je vais privilégier Van Avermaet, les gars. Le port de Balès, au vu je sais pas ce qui est en train de se passer là, les gars, mais le peloton roule. Hein, le peloton roule. Longueur et des pourcentages est bien évidemment classé hors catégorie. Il rapportera 20... Mais calmez-vous. On est plus que 24. Ouais, le délire. On est plus que 24. Hein. Clairement, je sais pas ce qui se passe. On est plus que 24 dans l'échappée. Enfin, dans le peloton, pardon. Très bien. Par contre, là, Greg, il va sauter. Hein. Ouais, je vais dire tu les attaques. Non, au pire on va y dire quoi? S'accrocher sans limite, voilà. Et je vais pas prendre le bleu maintenant, hein, parce que si on prend le bleu maintenant, les gars, dans le premier catégorie, on explose, hein, avec Greg Van Avermaet. Ok, allez. 2 km 700 pour l'échapper. On va devoir prendre un peu de bleu, je pense, avec Ilnur Zakarin. Voilà, hop, on prend un peu de bleu avec Ilnur. On aperçoit le peloton, hein, regardez, les gars, ils sont à bloc. Hein. Oh non. Là, les gars, c'est dur. Là les gars pour GBA c'est dur. Hein. Je vais surveiller GBA à distance mais les gars 2 km c'est dur. Hein. 2 km 5, hein. J'ai pas envie de prendre le bleu maintenant, je vais devoir. Hein. Je vais pas avoir le choix, le peloton est vénère mon gars. Je vais le surveiller les gars, j'ai pas le choix. Hein. On va le surveiller à distance le GBA. Ouais, ça va. Par rapport au groupe des favoris. J'ai l'impression que le peloton, il y a un temps d'arrêt, c'est bien. C'est bien, les gars. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un temps d'arrêt dans le peloton. Ok, tranquille. Bon, allez, 1 km 300, les gars, 20 points à prendre. Ah oui, c'est plus 25 points, ouais. C'est 20, je crois, un hors catégorie. C'est 20 points. Ouais, bah, y a un moment de flottement, les gars. Heureusement, quoi. Bon, allez. 1 km. Ouais, gros moment de flottement, les gars, heureusement, parce que là, Van Avermaet, il était à deux doigts de craquer, hein, vraiment. Allez, 20 points à prendre. Pierrot, qui est distancé, allez, on y va. Allez, on y va, les gars, on se dresse sur les pédales, avec Ilnur Zakarin. Allez, on est plus que deux, il y a Maximilian Charman dans ma roue. Allez, les gars, on va tout lâcher maintenant, et on va passer. Avec Ilnur Zakarin, on prend les 20 points. Et là, on passe tout de suite sur Van Avermaet. Hein, parce que là, c'est très chaud. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le... peut plus le perdre aujourd'hui, ouais, c'est bien. Comme ça. Oh, les gars, ouais. c'est chaud. On va passer vraiment à la limite, mais à l'extrême limite avec Van Avermaet. Fort, en queue de peloton. Qui c'est qui roule comme ça? C'est Jumbo, hein. C'est Jumbo ces enfoirés, hein. ils sont malades Jumbo. Bon les gars, on passe. Mais que c'est dur. Hein. Wouah. Allez hop, Greg passe. À la limite du craquage les gars, mais vraiment à la limite.
Allez, on va faire un coup de descente là pour reprendre un peu de bleu parce que c'est un peu chaud ce qui se passe. Bon, ça va, Greg Van Avermaet est pas un descendeur dégueu, heureusement. Allez, et mon Greg. Bon, allez, les gars, on va repasser sur une lourde Zakarine, on va attendre le groupe de derrière, ça a rien de forcé. Allez hop. On est 8 du coup. La tête de course ne va pas tarder. Attaque de Pino, wesh 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 wesh. Attaque de Pino. Thibaut Pino les gars qui va. Des grands classiques du Tour de France. Ça c'est surprenant hein. Bon Jumbo qui prend tout son chasse et Ineos pareil. Là j'avoue que c'est assez surprenant. Thibaut Pino qui attaque dans la descente. Le franc-comtois 2,54, 6ème au classement général. Bon, nous ça va, heureusement on a plus d'équipier, on a Ineos qui fait le travail pour nous. Yaren Thomas. La tête de course. Mais Thibaut, les gars, il est chaud. Hein. Bon, allez, on passe sur Elnour. On ne va plus collaborer. Paye sourde, ultime difficulté de la journée. Oh là, ça y va. Non, non, oh non! Aïe, aïe, aïe. Non, 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 ça par contre, je voulais à tout prix éviter. On a. Ouais, ça s'est reformé. Ça s'est reformé, les gars, dans le peloton parfait. Il y a Nero Quintana, c'est pour ça que j'ai fait. Non, 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 parce que Nero Quintana aussi a attaqué. Vous avez une minute d'avant sur le maillot jaune. Il y aura 10 points à prendre pour. Non, mais non, mais Zakarine, Zakarine, qu'est-ce qu'il fait? Reste sur les pédales aussi, mon vieux. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Zakarine, les gars, aussi, fait pas d'effort, c'est pas possible. Allez, les gars, Greg, ça va derrière. Allez. C'est parti, ça y retourne, ça y retourne. Je sais pas pourquoi, c'est Higuita, Sergio Higuita. Il tente d'en placer une, un Cru-Cru qui est distancé dans le peloton. C'est Adjo Higuita qui attaque. Le peloton juste derrière. Le peloton juste derrière. Bon, on va revenir sur le groupe de tête. Enfin, quoique, ouais, c'est un peu chaud. Hein. C'est un peu chaud, les gars, parce qu'on a plus de rouge. On a Ouran qui descend sur son tour, ils sont plus que 20. Greg, les gars, il va très très bien. Nibali aussi distancé. Mikel Landa distancé aussi. Quoi, 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 quoi? Non, 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 il va y avoir une attaque. Ok, il faut revenir. Ah ouais, ça attaque, hein. Ça attaque devant, normal. Et là, faut rentrer les gars avec GVA, faut pas du tout laisser partir. Ouais, ça roule fort et du coup bah hop. Heureusement qu'on a le bleu les gars, regardez hein. Heureusement qu'on est passé vraiment in extremis. Bon devant c'est fini. On l'a repris. Dans un carnet, vous savez quoi, on va le garder. Protéger Greg. Ah, on est plus que 16. C'est en train de lâcher. Mollema, Mikel Landa. Et ça force là, ça force avec Bernal. Et ça saute dans les roues. On a Sergio Higuita, les gars, qui risque de passer seul au sommet. Et on va avoir maintenant la descente. Hein. Thibaut Pino. Ça roule. Là, les gars, sont en train de rouler. Bon, mais là. Ok, Bourman est distancé aussi à son tour. Là, vraiment, les gars, ça roule très très fort. Hein. Ça roule très très fort, ok, il y a un moment de flottement. On est plus que 13, il y a les secondes à aller chercher les gars. Les bonifs à aller chercher. Et ben on va les prendre hein. Bah oui les gars, ça attaque pas. On prend les 8 secondes avec Greg Van Avermaet et maintenant les gars c'est la descente. C'est la descente, bah oui, ça roule pas, on prend les secondes de bonif hein. On est plus que 13 hein, du coup. Allez les gars, la descente, 11 km à parcourir. Ça descend les gars jusqu'à Loudenviel. Ok là les gars, on va avoir un petit passage où ça remonte, je sais pas. Allez, encore 10 km pour garder le maillot.
Ah non, ça c'est une route, ça doit être tout à l'heure, je sais pas. Ok les gars, des grosses descentes, on est plus que 10. Julien Alaphilippe est avec Ilnur Zakarin, mais Ilnur tu fais pas le travail, hein, clairement. Voilà, restez dans les roues. Ok, je viens de protéger. Voilà. Alaf 14 secondes derrière. Bon, il risque de rentrer, un très bon descendeur. Julien Alaphilippe. Qui est troisième du classement général. On a Jakob Fuglsang encore aussi derrière. Et celui qui est en train de prendre très cher aujourd'hui, les gars, aussi, c'est Bourman. Hein. Bourman Bardet est en train de prendre cher aussi. Il est avec Valverde. Landa avec Tim Wellens. Bokeh Mollema, 9ème du général ce matin, qui prend très très cher aussi. On est parti à 6. Il y a eu une micro cassure. Il faut essayer de forcer. On a qui derrière à 9 secondes? On a Nairo Quintana, Zakarin. Zakarin, parfait. Bah, Zakarin. On peut pas y dire. Voilà, restez dans les roues. Parfait, c'est ce qu'il fait. Bon, ça risque de rentrer, les gars. Ça risque de rentrer, je pense, mais. Allez, 3 km 800. Du Binout, hein. Binout rapide au sprint. Je sais pas trop qui peut s'imposer. Pinot. Thibaut Pinot, les gars, il va. Enfin, temps d'y aller. On est plus que 10. Ouais, Nairo Quintana, les gars, il a du mal, hein. Bon, il rentre à chaque fois, Nairo Quintana, mais il est au bord à chaque fois de la rupture. Et qui va rouler? Moi, c'est pas à moi de rouler, hein. Primoz Roglic, Pinot. Bon, j'ai l'impression que là, ça se taille un peu. Sergio Higuita qui y va, membre de l'échappée du jour. Et oui, Sergio Higuita qui est parti. Et moi, les gars, j'ai pas le rouge, hein, donc c'est pour ça que je veux pas contrer. Higuita, il va aller s'imposer, hein, Sergio, j'ai l'impression. À moins qu'on le reprenne dans le sprint final. Allez, Thibaut Pinot. Allez les gars, c'est parti, le dernier kilomètre. Allez, on y va avec Van Avermaet, il y a Bernal dans nos trous. Et pour Sergio Higuita, ça va le faire. Et nous, on va aller chercher la deuxième place de l'étape. Higuita, il s'impose, il peut savourer. Nous, on finit deuxième avec Greg Van Avermaet. Et on prend les bonifications. Bah voilà les gars, très belle victoire de Sergio Higuita. Il a attaqué quand il fallait, les gars, tout simplement. Moi, je suis sûr que... Bah en fait, j'avais pas le rouge, donc c'est pour ça que je pouvais pas suivre. Je n'avais pas le rouge. Bon, ok, victoire de Higuita. Et nous, du coup, les gars, on prend. On prend 14 secondes d'avance encore. Hein, parce qu'on est passé en tête du premier catégorie. On est toujours là avec Greg. Je crois que c'est Bernal qui fait 3 ou Pinot, je sais pas. Bon, en tout cas, super victoire de Sergio Higuita, les gars, qui était le dernier membre de l'échappée. Et il s'impose. Bon, on a toujours les trois maillots distinctifs. Bernal toujours en blanc, bien évidemment. Super, les gars. Je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez un podium. Bravo à vous. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Et non, les gars, oui, Binou qui est rapide au sprint, qui prend la troisième place. Ouais, Guita en pic de forme, les gars. C'est pas étonnant. On voit tout le monde finir dans le même groupe, à part Nairo Quintana. Petite cassure de 12 secondes, Jakob Fuglsang. Celui qui prend très très cher, les gars, c'est Romain Bardet-Bourman. Hein. Les deux, ils prennent très extrêmement cher. Mollema, Landa, Uran. Ouais, ok. Bon, au niveau de classement général, du coup, les gars, on reprend un tout petit peu d'avance avec les 14 secondes de bonification. Roglic à une 20, Alaph à une 40, qui a réussi à rentrer. Bernal, Thomas, Pinot, Quintana, Yonis Aguirre, Bardet et Lopez. Le maillot à poids, les gars, nous avons 54 points. Van Avermaet est deuxième avec 32 points. Le maillot vert, toujours pour Matteo Trentin. Doublé italien pour le moment avec Viviani. Bernal, maillot blanc. Higuita qui remonte, les gars, hein, du coup, avec son étape et sa victoire. Astana, meilleure équipe. Et Van Avermaet, le plus combatif. Donc voilà, les gars, j'espère que vous aurez apprécié ce nouvel épisode du Tour de France avec Greg Van Avermaet. On a toujours notre tunique. Bon, évidemment, aujourd'hui, voilà, arrivé en descente, on pouvait pas la perdre. Mais j'ai eu très chaud, les gars. C'est dans le port de Balès, hein. Le hors catégorie, les gars. On a eu extrêmement chaud. On est passé vraiment à la limite, hein, de la fringale. Mais on est toujours là. Donc voilà, les gars. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Et si tu découvres la vidéo, n'hésitez pas, la chaîne, n'hésitez pas à t'abonner. C'est Nadrax. Prenez soin de vous. Ciao à tous.